C'est à vous que nous avions donné rendez-vous aux amis du team pour cette première de week-end échange et partage. Et nous avons passé un moment exceptionnel, un grand moment. Et d'ailleurs, le numéro 2 va suivre dès 2017. Une pensée à Hugues qui aujourd'hui est sorti de l'hôpital et qui nous a fait une grosse frayeur et n'a pu goûter aux joies de la rivière Neste. Je vais avoir le bon quoi. Logiquement. Ah, c'est bon là ce qu'il disait là. Ouais, peut-être, on va voir. Je filme là. Pour voir s'il est si ça on demandera au spécialiste. Ouais, ouais mais c'est un tacon. C'est l'auréole là. Bon ben. Et puis la queue aussi. En V là, tu sais. Ah putain oui. Tu vois la queue en V et la bouche petite là. La petite bouche de truite elle vient derrière l'œil. Je t'avoue que j'avais pas. Eh ouais. Eh ouais. C'est qu'elles sont pas gourmandes. Ah ouais. Eh, peut-être de les prendre au fond, ouais. Parce qu'à mon avis, elles doivent être tankées, là. Eh ouais. Elles sont au fond. Hein. Elles sont blanches, non? Ah ouais. Ça tient à pas grand chose. Hein. La profondeur, quoi. D'accord, ouais. Elle est abîmée, mais tu vois, elle a fait encore effet. Ah oui, elle a voyagé, quoi. Ouais. C'est toi qui l'as fait, les mouches? Non. Ah, ouais. Vous avez acheté à Gap, et en fait, c'est des mouches en céramique. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de poils, ouais, elle descend plus vite. Et ouais, forcément. Ouais. Voilà, elle a pas de Ouais. Faut pas chercher. Et ouais.
a le gros. Tu l'as vu? Regarde, regarde. Il y a le gros. Vas-y. Quand tu prenais de côté, tu pouvais voir la grosse qui venait de la bouffer derrière. Toi, c'était. Ça y était, là. La grosse était au bout de la pièce. Il l'a fait! Il l'a fait! Mets l'épuisette, toi! Hop. Elle est énorme! On a vite fait de rebaptiser Jean-Louis que 46 cm. Bon, pas à cause d'eux, mais pour cette magnifique truite. Voici Geoffroy, originaire du Doubs, mais qui nous arrive du département de l'Hérault. Alors, on va lui dire un petit secret, ce n'est pas notre ami Étienne qui l'a baptisé Maury, mais c'est bien le président du team Passion Truite et Mer qui l'a surnommé quoi. Geoffroy suit immédiatement le conseil de petit papa et bingo, une belle. Tu l'as toujours? Elle est partie? Ça tire? Eh oui! Tu l'as senti quand t'as fait la touche ou quoi? Première pêche en rivière, première truite. Elle est où? Te demander. Oui. Attends. Elle a parlé à toi, c'est moi. Et les gars du team dans tout ça, eh bien ils sont pas en reste. Commençons par le festival Petit Papa. You're gone away.
sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid. On a transatlantic plane, like a child been waiting for surprise, and now I'm afraid to open up your eyes. Now it's time to fully break the limits of the sky. Not to feel anything, and you'll smash your heart like a stone. And you're gone. Son bleu argenté. Ouais, ouais. Bien joué. La nef, elle m'a pris.
Ce fut un superbe week-end, des grands moments de partage, une grande communion. Un groupe s'est créé, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Je tiens à m'excuser auprès de Bertrand, Wilfried, Dominique, Gilles et Alain qui n'ont pas été filmés cette fois-ci, mais promis, la saison prochaine, vous serez notre priorité. Et ainsi que Sylvain et Axel qui ont très peu été filmés, tout comme Étienne et Michel. Je suis sincèrement désolé. Je vous remercie à tous de ce merveilleux week-end. Et je vous dis rendez-vous en juin 2017 du côté de la Lozère. Juste une pensée pour cette Nest qu'on voit ici. Une Nest, nous avons eu la chance de trouver avec énormément de poissons lors de notre rencontre à Arreau. Mais on ne sait pas, avec l'agression qu'elle vient de subir il y a 15 jours, ce que cela va donner. Like a